Oui. Les autres n'entendent pas. Ils sont pas sûrs. Hein? Ah d'accord. D'accord, c'est enregistré. Donc on fera aujourd'hui, Inch'Allah, le cancer de la prostate. Donc le cancer de la prostate a longtemps été une maladie délaissée. Pourquoi? Par le manque d'outils diagnostiques et thérapeutiques. Auparavant, on ne connaissait pas comment diagnostiquer avant ce cancer de la prostate. Parce qu'il faut savoir que c'est un cancer qui est curable. Curable. Donc si on le détecte à temps, on peut le guérir. Donc, la guérison dépendra du diagnostic précoce et de la thérapeutique adaptée, qui est la chirurgie. Le meilleur traitement, c'est la chirurgie. Et auparavant, on n'avait pas d'outils thérapeutiques. Donc, on ne connaissait pas la monothérapie, la radiothérapie conformationnelle. Donc, les patients arrivaient au service d'urologie au stade de métastase, dépassé. La découverte de l'antigène spécifique de la prostate, les PSA, et son utilisation courante, heureusement, depuis les années 80, 87 exactement, ont modifié de façon spectaculaire son diagnostic et sa prise en charge thérapeutique. Un cancer de la prostate peut actuellement être diagnostiqué précocement. Qu'est-ce que ça veut dire précocement? Je répète, au stade localisé, où la maladie, elle n'a pas dépassé la capsule prostate. Le cancer est confiné à la prostate. Alors, regarde. Le cancer de la prostate peut être totalement asymptomatique, et on va voir pourquoi. Parce qu'il se développe, en général, sur la partie périphérique ou intermédiaire de la prostate. La partie de transition, ce qu'on appelle la partie de transition. Donc, c'est-à-dire loin de l'urètre. Comme vous savez, la prostate, c'est un organe qui entoure la partie initiale de l'urètre masculin. Lorsqu'il y a une hypertrophie qui touche la partie centrale de cette prostate, elle va un peu boucher l'urètre et va donner des symptômes. C'est ce que fait l'adénome de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors que le cancer se développe latéralement ou périphériquement, donc sur la périphérie, donc loin de l'urètre, donc il restera longtemps asymptomatique. Mais au contraire, il est rapidement détecté par le toucher rectal. Parce que la périphérie, si on voit sur l'anatomie, donc la prostate, elle est au contact direct du rectum. Donc si un cancer se développe sur la partie périphérique, donc il sera très proche du rectum, donc il sera accessible au toucher rectal. Comme on a dit, donc, chez l'homme, bon, le diagnostic du cancer de la prostate repose sur le toucher rectal. Le taux de PSA qui a bouleversé la prise en charge du cancer de la prostate et l'échographie. Auparavant, on parlait d'échographie classique, suspidienne ou transpariétale. Maintenant, pour la prostate, le meilleur examen radiologique, c'est l'échographie endorectale. C'est l'endorectale. Elle nous permettra de bien voir cette prostate, de bien examiner sa taille, sa consistance, son échogénicité, donc sa forme. Et surtout, elle nous permettra, en cas de suspicion de cancer, de faire des biopsies, ce qu'on appelle des biopsies éco-guidées, qui sont guidées par la sonde échographique. Chez l'homme, c'est le cancer le plus fréquent et la deuxième cause de mortalité appelée le cancer bronchique. Donc, il tue, il parlait beaucoup d'hommes. La première cause de mortalité par cancer, c'est le cancer bronchique chez l'homme. La deuxième, c'est le cancer de la prostate. Enfin, il est au premier rang des cancers urologiques, ça c'est logique. En principe, on voit dans les services d'urologie plus de cancers de la prostate que de tumeurs de vessie, de tumeurs rénales, plus de testicules, de veines, etc. Oui. Des traitements curatifs sont disponibles. Pourquoi on a dit des traitements? J'ai dit que le meilleur traitement curatif, c'est la chirurgie. Mais il y a un deuxième traitement, donc comparable à la chirurgie. Il est pratiquement équivalent à la chirurgie, mais jusqu'à maintenant, les recommandations sont pour la chirurgie. C'est la radiothérapie conformationnelle, ce n'est pas la radiothérapie classique. Qu'est-ce que ça veut dire la radiothérapie classique? C'est qu'on irradie tout le pelvis. La conformationnelle, donc, on irradie que la prostate. Donc,
des traitements curatifs sont disponibles, ces avancées médicales, donc les avancées dans le diagnostic, dans la thérapeutique, ajoutées au vieillissement de la population. Pourquoi on parle de vieillissement? Parce que c'est un cancer du vieillard, on peut dire. Mais on voit de plus en plus de cancers à un âge plus précoce. On générait un réel problème de santé publique. Chez qui dépister un tel cancer? Et est-ce qu'on est en droit de faire un dépistage de masse, comme le cancer du sein? On fait le dépistage chez toutes les femmes. Pas de 45 ans, on demande une mammographie. Est-ce qu'on est en droit de dépister ce cancer chez l'homme? Je vous raconte cette histoire. Aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle les dissections sur cadavres. Quand un chirurgien veut apprendre une nouvelle technique, telle que, par exemple, la CELIO ou la chirurgie robotisée, on ne l'apprendra jamais sur l'être humain directement. Eux, ils préfèrent apprendre ça sur les cadavres. Donc, ils utilisaient le cadavre pour les dissections. Donc, ils faisaient ce qu'on appelle des prostatectomies radicales sur le cadavre. Donc, les jeunes chirurgiens qui veulent apprendre la CELIO ou la chirurgie robotisée, ils font des dissections sur le cadavre. On enlève la prostate et on l'a jetée. Un jour, donc, ils se sont dit, tiens, on va envoyer ces pièces à la pâte, ces prostates enlevées chez des cadavres, à la pâte et on va faire une étude. Ils ont trouvé que la prévalence du cancer de la prostate, elle était donc moins de 30%, à peu près 23%, avant 70 ans. Entre 70 et 80 ans, elle augmentait plus de 30%, mais elle ne touchait pas les 50%. Mais à partir de 80 ans, donc, le cancer existe chez 80% des hommes. Ils sont décédés, ils sont morts par autre chose, et ils avaient un cancer de la prostate non diagnostiqué. À 90 ans, 90% des hommes avaient un cancer de la prostate. À 100 ans, 100% des hommes qu'ils ont, donc, chez lesquels ils ont fait une prostatectomie, avaient un cancer de la prostate. Donc ce cancer, à partir de 80 ans, il est tout gentil, tout doux, il ne fait rien. Est-ce qu'on doit diagnostiquer? Si on va diagnostiquer, on va avoir beaucoup de diagnostics positifs. Donc alors que ces sujets vont être potentiellement vont décéder par autre chose que ce cancer, alors que cette prise en charge, la prise en charge de ce cancer, elle est très très lourde. Pourquoi très lourde? Même si on le découvre à un stade localisé, la chirurgie a des complications qui sont très lourdes à prendre en charge. On va voir les deux complications, les deux principales complications de la chirurgie du cancer de la prostate, qui est la prostate radicale, c'est l'incontinence et l'impuissance. Donc, ces deux complications ont chacune une solution, mais qui coûte très très cher. Donc la chirurgie elle-même, elle est très lourde, et les complications, leur prise en charge, sont très lourdes. Et deuxièmement, même si on opte pour un autre traitement, qui n'est pas la chirurgie, la radiothérapie, elle est très chère, et l'hormonothérapie, elle est encore plus chère. Parce que la prise en charge, elle est de longue durée. Vous savez que l'injection de l'hormone, l'analogue ALH utilisée dans le cancer de la prostate, coûte 50 000 dinars. C'est une injection chaque 3 mois. C'est une injection chaque 3 mois. Plus l'anti-androgène, qui coûte à peu près 12 000 dinars la boîte. Donc, ils utilisent 3 boîtes par trimestre, chaque 3 mois. Donc, c'est très lourd. Donc, est-ce qu'on est en droit d'aller diagnostiquer ce cancer? Les États-Unis ont essayé de faire un diagnostic de masse. Ils se sont trouvés dans un hyperdiagnostic, un surdiagnostic. Et un surtraitement, ça coûte très très cher. Alors que ces patients peuvent vivre, survivre et mourir par autre chose que ce cancer de la prostate. Donc c'est des questions dont je n'ai pas encore les réponses. C'est pour cela que je pose des questions. Donc, chez qui dépister un tel cancer? Comment le diagnostiquer? Bon, maintenant, le diagnostic est facile. La clinique, c'est le toucher rectal. Que tout médecin généraliste doit faire et peut suspecter un cancer chez un sujet plus de 50 ans, âgé de plus de 50 ans. Donc le diagnostic, pour nous, il est facile. C'est la clinique, la biologie,
Ça dépend si c'est quoi la biologie. D'accord. Et dans la biologie, c'est des échographies endorectales. Si on suspecte, on fait en même temps une biopsie. Car le diagnostic de certitude est anatomo-pathologique. On en voit l'anapathie. Donc, comment le diagnostiquer et qui traiter? À l'opposé, le cancer de la prostate métastatique n'a pas fait l'objet d'avancées médicales décisives, mais de nouveaux protocoles sont en cours. Un petit rappel anatomique, on voit très bien ici, donc une coupe sagittale d'un être humain de sexe masculin, on voit donc la vessie, la prostate, cet organe, à la taille d'une châtaigne, donc elle entoure la partie initiale de 2 ou 3 cm, près du centimètre de l'urètre, l'urètre postérieur. Chez l'homme, l'urètre est subdivisé en 2 parties. L'urètre postérieur jusqu'au but et l'urètre antérieur. Donc l'urètre postérieur, il y a l'urètre prostatique, il est virtuel, il est formé par la prostate et l'urètre membrane. Ici, il y a le sphincter strié et ici, il y a le sphincter, le deuxième sphincter qui est le sphincter lisse. Oui. C'est un épaississement des fibres musculaires lisses de la vessie qui forme ce sphincter. Donc, celui-là est sous contrôle involontaire, celui-là, voilà. Strié, c'est le principal, il est sous contrôle de la volonté. Mmh. On voit les rapports de la prostate, ça c'est le rectum. Mmh. Vous voyez, le rectum est juste derrière la prostate. Et ça, c'est la vésicule séminale. Bon, on a une coupe d'une vésicule séminale, on a 2 vésicules séminales, droite et gauche. Lorsqu'on veut faire une chirurgie carcinologique de la prostate, on pense à la prostate, on enlève tout ça, toute la prostate, avec les 2 vésicules séminales. On fait une prostatectomie radicale, ou on appelle ça vésiculo-prostatectomie, ou encore prostatectomie totale. On enlève tout le parenchyme prostatique avec la capsule et les vésicules séminales. Donc, quand on enlève ça, il y a ici le col et l'urètre. On doit faire anastomoser ce col à l'urètre. Donc, quand on enlève la prostate, le sphincter est juste au-dessous de la prostate. Donc, lorsque la chirurgie, cette chirurgie est délicate, elle est hémorragique, donc on peut léser ce sphincter. Donc, le patient, donc en lésant le sphincter, sur qu'on enlève le sphincter lisse, parce qu'on emporte cette partie avec la prostate, le col, et si on touche le deuxième sphincter, le patient deviendra incontinent. Ça va être une complication. Mm-hmm. Et à côté de la prostate, par là, passe à 3 mm exactement de la prostate les nerfs érecteurs, les nerfs responsables de l'érection. Donc si on touche un côté, donc il y a le nerf à droite, et le nerf à gauche. Chaque nerf, donc, innerve un corps caverneux. Donc, si un nerf est touché, le patient peut garder son érection. Si les 2 nerfs sont touchés, il va perdre son érection. Donc, c'est l'impuissance. Oui? Donc, une vue postérieure, à droite, et une schématisation de ce qu'on a dit avant. La vue postérieure, on voit très bien. Voici la vessie, c'est une vue postérieure. Mm-hmm. Comme si on voit l'organe par derrière. Donc, la vessie, les vésicules séminales. Donc, voici les canaux déférents. Donc, qui vont partir où ou venir d'où. Les canaux déférents, ils viennent des 2 testicules. Donc, chaque canal déférent, par le testicule, arrive à l'ampoule déférentielle qui est en contact direct avec la vésicule séminale. C'est là où sont stockés les spermatozoïdes. Les 2 vésicules séminales sont en contact de la prostate parce que la prostate est responsable de l'élaboration de 30% du liquide séminal, le liquide dans lequel baignent et se nourrissent les spermatozoïdes. Donc, quand on enlève, pour un cancer, on enlève toute la prostate avec ces 2 vésicules
séminal et en ligature les deux canaux différents. Donc il n'y a plus d'éjaculation. Donc c'est l'infertilité. À coup sûr, et il y a risque de. Risque d'impuissance. Oui. Bon, un certain Gilles Vernet a proposé un modèle. Il a subdivisé la prostate en deux parties. Une partie qu'il a nommée crâniale, haute. Crâniale, c'est le crâne. Et une partie qu'il a nommée caudale. Que dit ce Gilles Vernet? Gilles Vernet dit que l'adénome de la prostate il se développe ici, sur la partie crâniale. Et le cancer de la prostate se développe ici, sur la partie caudale. Donc l'adénome, il est rapidement symptomatique, alors que le cancer, il est longtemps asymptomatique, mais rapidement perçu par un toucher rectal. Deuxième modèle. Donc le modèle le plus récent, c'est le modèle de McNeil. Il est un peu plus développé. Bon, probablement c'est la même chose, parce qu'il a subdivisé la prostate en quatre parties. Une zone de transition, une zone centrale, une zone périphérique et une zone donc antérieure, musculaire antérieure. Que dit également ce McNeil? Il dit que l'adénome de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate, se développe sur la partie centrale, alors que le cancer de la prostate se développe sur la partie de transition et périphérique. Oui. Rappel physiologique, donc, on a dit ça. Donc, la prostate a deux fonctions, une fonction endocrine et une fonction exocrine. La fonction endocrine, elle sécrète PSA, PAP, alpha 1 et Z-alpha 2 glycoprotéines. Elle sécrète surtout 30% du liquide séminal. Le PSA, c'est une glycoprotéine qui est en principe sécrétée dans le sperme. Pourquoi? Elle sert à liquéfier le liquide séminal, le sperme. Le sperme, quand il est éjaculé, il est visqueux. À partir de 20 à 25 minutes, il devient liquide. Qui le liquéfie? C'est ce PSA. Mais ce PSA peut être détecté dans le sang. Mais parce qu'il y a une infime partie qui ne dépasse pas 4 nanogrammes par millilitre, dépasse ou traverse la barrière vasculaire et arrive au sang. Si cette quantité augmente, c'est qu'il y a une agression de la barrière vasculaire. Soit c'est une agression traumatique, un toucher rectal, un sondage, une résection endoscopique peut faire augmenter le taux de PSA. Soit une agression inflammatoire, infection urinaire, infection prostatique peut augmenter le taux de PSA. Mais dans cette augmentation, le taux de PSA, il augmente, puis il redescend à distance du phénomène qui a fait augmenter le taux de PSA. C'est des fausses augmentations, le taux de PSA. Mais elle peut être, ou le taux de PSA peut être également augmenté lors du cancer de la prostate, parce que le cancer n'a pas de barrière. Donc il va dépasser cette barrière vasculaire, donc il va sécréter le taux de PSA à des quantités importantes dans le sang. Donc l'augmentation du taux de PSA fait suspecter un cancer de la prostate. Qu'est-ce qu'on fait en général si le taux de PSA n'est pas très élevé? Par exemple, la valeur normale est de moins de 4 nanogrammes par litre. Par exemple, on trouve le taux de PSA 5 ou 6. Qu'est-ce qu'on fait? On doit le refaire. Taux de PSA, on le fait à un mois d'intervalle. Donc si le taux de PSA rechute, redevient normal, c'est qu'il y avait une fausse augmentation, soit un traumatisme de la prostate, soit une infection. Si le taux de PSA revient également augmenté, on suspecte un cancer de la prostate. Et on doit faire une biopsie échographique. Oui. Donc, ici, on a parlé des deux sphincters. Le sphincter lisse et le sphincter strié. Surtout ici, l'intérêt de parler de ça, pour le sphincter lisse, c'est dans l'hypertrophie bénigne de la prostate.
parce que c'est l'intérêt des alpha-bloquants. Ce sphincter est sous contrôle alpha-adrénergique. C'est pour cela qu'on donne des alpha-bloquants dans l'adénome de la prostate qui relâchent ce sphincter et facilitent la miction. C'est pour cela que les patients répondent très bien aux alpha-bloquants dans l'hypertonie de la prostate. On parle de ça dans le cancer pour voir l'intérêt de la continence et l'intérêt de préserver ce sphincter stérile. Oui. Donc, anatomopathologiquement, le cancer, comme on l'a dit, se développe en zone périphérique dans 65-70% des cas, dans la zone centrale dans 10% des cas, en zone de transition dans 20-25%, et il est un peu partout, dans 85%, c'est des cancers qui sont en général dépassés. Pour le cancer, c'est déjà, il a touché toute la prostate et il commence à sortir de la prostate. Oui. Microscopiquement, donc, il s'agit d'un adénocarcinome parce qu'il se développe sur les cellules glandulaires. Adénocarcinome. Donc, 95%, il s'agit d'un adénocarcinome. Monsieur Dizon a proposé une classification donc microscopique ou un grade de Gleason. Donc, depuis le très bien différencié, grade 1, jusqu'à l'indifférencié, totalement indifférencié, de grade 5. Il y a 5 grades. Mais à côté de ce score, de ce grade, il y a le score de Gleason qui est très important pour nous. C'est quoi le score de Gleason? Donc, il a trouvé ce Gleason qui a pu. Il y a plusieurs contingents dans le même prélèvement. On fait des biopsies, on trouve des scores de 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux scores les plus importants, les plus représentés. Par exemple, on a du 2, du 3 et du 4. Mais le 4 et le 2 sont les plus importants. Et le 4, c'est le plus important. Donc, si on fait un pourcentage, par exemple, le 4, c'est le premier pourcentage, puis le 2, puis le 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le score de Gleason, c'est 4 plus 2. On élimine le 3, c'est 4 plus 2 égale à 6. Donc, le score de Gleason, compte tenu de l'hétérogénéicité au sein de la même tumeur, la différenciation est exprimée par le score de Gleason, qui est calculé par la somme des deux grades, des deux contingents les plus représentés dans l'échantillon. Donc, ce score, il varie du minimum qui est 1 plus 1 au maximum qui est 5 plus 5, il varie de 2 jusqu'à 10. De 2 jusqu'à 10. Le score limite, qui fait la limite entre la curabilité et l'incurabilité, le palliatif, le terme palliatif, c'est le score 7. Le score de Gleason inférieur à 7, donc inférieur ou égal à 7, on est dans le curable. Le score de Gleason supérieur à 7, on est dans l'incurable. Donc on propose un traitement palliatif. Oui. Le diagnostic. Donc le diagnostic est surtout bon, clinique. Donc la clinique, l'interrogatoire est donc capital. Il doit apprécier et quantifier les signes fonctionnels tels que la polyacrylie, la dysunie, l'urgentulie. Donc rechercher les complications, rechercher d'autres maladies, surtout pour la chirurgie, parce que on n'opérera que les patients qui ont une espérance de vie de plus de 10 ans. Moins de 10 ans, c'est le palliatif. On n'opère pas, c'est le palliatif. Connaître l'état de vie sexuelle, parce qu'on doit informer les patients si on va opérer ou on va proposer un traitement hormonal, tous ces traitements, qu'ils soient chirurgicaux, médicaux, vont se retenter sur la vie sexuelle. Il y a des patients qui s'en foutent de ça, et il y a des patients qui ont refusé catégoriquement le traitement contre leur vie sexuelle. Oui. Donc, on a deux syndromes. Il y a le syndrome irritatif, les signes irritatifs, et il y a le syndrome obstructif, ou les signes obstructifs. Les signes irritatifs, il y a la polyacrylie. C'est quoi la polyacrylie? C'est l'émission trop fréquente de petites quantités d'urine. À la différence de la polyurie chez le diabétique, c'est la polydipsie polyurie. Donc il boit beaucoup, il urine beaucoup.
C'est de grandes quantités. Alors que la Paula Curie, il va beaucoup aux toilettes, mais il élimine de petites quantités. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il ne vide pas sa vessie. Elle se remplit rapidement, il va encore uriner. Mais à chaque fois qu'il va uriner, il ne vide pas bien sa vessie, c'est l'obstruction. Quand il urine, il ne vide pas bien sa vessie. Il faut savoir que physiologiquement, la miction normale, elle est volontaire, indolore et complète. Volontaire, indolore et complète. Et elle soulage le patient. C'est le symptôme le plus souvent rapporté par les patients. Pourquoi ? Parce qu'il entraîne le maximum de gêne sociale et de détérioration de la qualité de vie. Deuxième symptôme, c'est le besoin impérieux. On n'appelle plus ça, on ne dit plus le besoin impérieux, on dit urgenture. C'est l'urgenture. C'est l'envie pressante d'uriner. Oui ? Les signes obstructifs, c'est la dysurie surtout, diminution de la force du jet, sensation de miction incomplète, miction plusieurs temps. Donc, le patient, il pousse pour uriner ou il pousse pour terminer sa miction, nécessité de pousser pour expulser l'urine. La clinique, l'examen physique, surtout, donc l'examen doit être général, mais on se base surtout sur le toucher rectal. Donc, élément fondamental du diagnostic du cancer de la prostate, pratiqué après vidange vésicale et rectale, on a deux positions. Nous, urologues, on préfère la première position. Donc, décubitus dorsal, jambes et cuisses fléchies et écartées, le patient, l'examinateur se met à droite, s'il est droitier, et examine avec l'index de l'homme. Avec un doigtier bien lubrifié, on met le doigt dans le rectum et on apprécie la taille et la consistance de la prostate. Pourquoi cette position est meilleure que la position accroupie en genou? Donc, en position debout penché en avant, parce que la première position nous permettra donc de combiner le toucher rectal à ce qu'on appelle un palpé hypogastrique. Si la prostate est trop haute, on peut la faire descendre par l'autre main à l'aide d'un palpé hypogastrique. Alors que le patient, s'il se penche en avant, on ne peut pas faire ce geste-là. Donc nous, en Europe, on préfère cette la première position. Oui. Donc, sur le toucher rectal, qu'est-ce qu'on doit examiner? On doit examiner la prostate, apprécier son volume. En principe, la prostate, quand elle est de taille normale, il y a deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche. Elle est bien régulière et elle a une consistance rénitente. C'est quoi une consistance rénitente? Comme si on touchait un rein. Je te donne un tachrof, quand on le touche, c'est le même aspect. Quand elle est normale, bénigne. Lorsqu'elle est augmentée de volume, lorsqu'elle commence à s'augmenter, son volume augmente, donc il y a un effacement du sillon interlobaire, première chose. Puis elle augmente encore jusqu'à ce qu'on ne peut pas faire le tour de la prostate. Et elle devient parfois irrégulière, ou la consistance elle est anormale, soit toute la prostate qui est modifiée, soit une partie de la prostate, soit c'est des nodules. Ça c'est suspect. Donc, le reste d'examen physique, palpation abdominale, recherche de globe vésicale, contact lombaire, hernie inguinale, écuale, etc. Donc, l'examen commence par le toucher rectal et doit être général. Oui. Le bilan biologique, donc, il doit être général, bilan rénal, parce qu'il y a surtout le tontissement sur le haut, appareil urinaire, on doit vérifier le bilan rénal. Le CBU, la recherche d'une infection urinaire, et le dosage du taux de PSA. Le taux de PSA, il a un triple intérêt. Il a un triple intérêt, trois intérêts. Premier intérêt, il est diagnostique. Donc, il permet d'orienter le diagnostic. Suspecter un cancer de la prostate sur un taux PSA élevé, donc c'est un intérêt diagnostique. Il a un intérêt thérapeutique, parce que si le taux PSA dépasse 10 nanogrammes par millilitre, il n'y a plus de place pour le traitement curatif. Donc entre 4 et 10, on est dans le curatif. Supérieur à 10, on est dans le palliatif. Maintenant, on avance jusqu'à 20. On peut opérer des cancers de la prostate jusqu'à 20 nanogrammes. Mais il y a un doute. Moins de 10, pratiquement, il est certain que notre traitement sera curatif. 10 à 20,
séducteur, plus le vin n'a pas de place de traitement curateur. Le troisième intérêt, il est pronostique ou de suivi. Comment on suit les patients qui ont subi une chirurgie radicale, une prostatectomie radicale, ou une hormonothérapie ou une radiothérapie? C'est à l'aide de ce taux de PSA. Une chirurgie bien pratiquée, donc bien faite, au bon moment, va faire diminuer à des taux vraiment négligeables, 0,001, 0,002 de taux de PSA. Si le patient, après une chirurgie, après une radiothérapie, ou s'il répond bien à l'hormonothérapie, le taux de PSA va rapidement chuter. Si le taux de PSA réaugmente, c'est une récidive. Et on dit que la récidive biologique, elle précède au minimum de 2 à 3 mois la récidive clinique. Donc, c'est un intérêt pronostique. Donc, quand il est produit par la prostate, la valeur normale est inférieure à 4 nanogrammes par millilitre, facteur de variation, le cancer de la prostate, il y a la prostatite, comme on a dit, l'inflammation. Les facteurs traumatiques, tels que biopsie, résection, sondage, éjaculation récente, hypertrophie énorme de la prostate, ça peut faire augmenter un peu le taux de PSA. Lorsqu'on a une rétention vésicale aiguë, on sonde le patient, il ne faut jamais demander de taux de PSA rapidement. Il faut laisser au minimum 21 jours après le sondage pour demander le taux de PSA. Sinon, on aura une fausse élévation. Oui. Le bilan radiologique, donc l'échographie abdominale pelvienne classique, permet d'apprécier l'aspect de la prostate, son poids, on calcule le poids à l'aide de l'échographie, la régularité et l'échogénicité. Le retentissement sur le bas appareil urinaire, c'est-à-dire la vessie, est-ce qu'il y a un retentissement sur cette vessie, est-ce qu'il y a une paroi épaissie, vessie de lutte, jusqu'à l'apparition de diverticules, est-ce qu'il y a, donc la stase, c'est l'apparition de diverticules, la stase, c'est l'infection, c'est la cystite. La stase, c'est le développement de lithiase. Oui. La présence de lithiase dans la vessie. Et le retentissement permet d'apprécier également le retentissement sur le haut appareil urinaire. Est-ce qu'il y a une dilatation d'un ou des deux? Elle permet de mesurer le résidu post-mictionnaire. Comment on le mesure? On fait une échographie vessie pleine. On demande au patient d'aller uriner. Puis on refait l'échographie. Un sujet normal, il vide complètement sa vessie. S'il y a un problème prostatique, on risque d'avoir un résidu. Et on va mesurer ce résidu parce que donc, ça dépend de ce. Donc l'attitude thérapeutique dépendra de ce résidu, surtout pour l'hypertrophie féminine de la prostate. Rechercher des métastases abdominales, l'échographie transrectale garde tout son intérêt dans le cancer de la prostate car elle permet de faire des biopsies éco-guidées. Oui. L'échographie abdominopelvienne, on voit très bien. Donc, ici, c'est une. On voit ici la vessie. Et on est en train de mesurer ce qu'il y a dans la vessie. Ça, c'est le résidu post-mictionnel. Ça, c'est la prostate. Ici, on voit très bien. Ce qui est hypo-échogène, c'est-à-dire noir, c'est la vessie. Ici, c'est la prostate. Tout ça, c'est la prostate. En principe, la vessie, elle est bien ronde. Cet aspect. C'est une surélévation du plancher vésical. C'est-à-dire que la prostate, elle a augmenté de volume, elle a soulevé le plancher vésical. Donc, c'est ce qu'on appelle le lobe médian. C'est le lobe médian. Oui. Les circonstances de découverte. Il y a des formes asymptomatiques, ce qu'on a dit au début du cours. Le cancer de la prostate est longtemps asymptomatique. Donc, c'est les formes les plus fréquentes. Les circonstances de découverte ont changé depuis les années 80. Où le dépistage du PSA est passé dans la pratique courante. Maintenant, tout médecin généraliste, chez un patient qui présente des troubles urinaires du bas appareil, doit demander un taux de PSA. Au stade localisé, le cancer de la prostate reste longtemps asymptomatique et il peut être découvert par. Oui. Soit, donc, le cancer de la prostate peut être découvert par un toucher rectal anormal, un toucher rectal fait pour autre chose, pure pathologie digestive, pour hernie, pour rectorragie, pour hémorroïde. On fait un toucher rectal,
On tombe sur une prostate qui est suspecte, alors que le patient n'a aucun symptôme. PSA anormal, motif de découverte de plus en plus fréquent depuis son utilisation dans le cadre du dépistage au devant des troubles mixtionnels. On est en droit de demander votre PSA pour un dépistage individuel. Chez qui? Chez des patients qui ont un cancer de la prostate dans la famille. Par exemple, un père qui a un cancer de la prostate, un sujet qui a un cancer de la prostate, ses enfants doivent à 45 ans ou 50 ans maximum faire un autre PSA par an. Parce que la fréquence du cancer de la prostate familiale est de 30% plus importante que la population générale. Donc, un sujet qui a un cancer de la prostate, ses enfants ont plus, le 30% plus de chances de faire un cancer de la prostate que la population générale. Imagerie anormale. On fait une échographie, un scanner, une IR abdominale ou abdominopelvienne pour autre chose, on tombe sur un cancer de la prostate. Découverte histologique, dans 10 à 20%. Qu'est-ce que ça veut dire découverte histologique? C'est pas négligeable. 10 à 20%, c'est des patients qui ont un toucher rectal normal, un taux de PSA normal, une échographie. En général, on utilise l'échographie suspubienne. Normal. On les opère, soit on fait une résection de scope de la prostate, ce qui est pratiquement fait tout le temps maintenant, ou on fait une adénomectomie suspubienne à ciel ouvert. C'est le traitement chirurgical de l'adénome de la prostate. Soit ciel ouvert, la voie classique, soit par voie endoscopique. Lorsqu'on enlève l'adénome de la prostate, on le résecte, soit l'adénome ou les copeaux de résection, on les envoie, on n'en a pas. Donc 10 à 20%, il n'aurait pas qu'il s'agit d'un cancer de la prostate. Donc, un toucher rectal normal n'élimine pas un cancer de la prostate. Un taux de PSA normal n'élimine pas un cancer de la prostate. Et une échographie abdominopelvienne normale n'élimine pas un cancer de la prostate. Forme symptomatique. La révélation d'un cancer de la prostate par une symptomatologie clinique traduit un stade évolué de la maladie. Les signes urinaires, on les a déjà présentés, la dysurie, la polyarthrite, glande vésicale, traduisent l'envahissement de l'urètre ou du col vésical. On peut arriver jusqu'à l'insuffisance rénale en cas d'obstruction urétérale bilatérale. Le cancer va envahir doucement le col puis arrive aux utères. S'il obstrue les deux utères, c'est l'urétérohydronéphrose qui peut arriver jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc douleur lombaire, témoignant de l'envahissement des urètres osseuses en rapport avec des métastases osseuses. Il faut savoir que le cancer de la prostate est lymphophile ostéophile. Il donne en premier lieu des métastases ganglionnaires, régionales, puis il donne des métastases osseuses. Autre signe, table de compression médulaire, sciatique, paraplégie, altération d'état général, état voisin, asthénie, anorexie, amaigrissement, œdème des membres inférieurs. Pourquoi? En général, parce qu'il y a développement des adénopathies. Les adénopathies vont comprimer les veines iliaques qui assurent le retour veineux des deux membres inférieurs, il y a un œdème des membres inférieurs. Oui? L'examen clinique, le toucher rectal, est fondamental pour explorer la glande prostatique. Réalisé après évidence vésicale et combiné au palpé hypogastrique. Il peut être suspect par la perception ou la palpation d'un nodule ou d'un lobe dur ou induration de toute la prostate. Soit un nodule qui est dur, soit un lobe qui est dur, soit toute la prostate qui est dure. Ça, c'est suspect. Ou une simple asymétrie des deux lobes de consistance. Un lobe n'a pas la même consistance que l'autre lobe. Ou une prostate complètement déformée par la présence de nodules. Elle est multinodulaire. Parfois, dans les stades avancés, on n'arrive pas à séparer la prostate de l'os, tellement c'est dur. Donc c'est une glande fixée au petit bassin. Notez bien que le toucher rectal normal n'élimine pas le diagnostic. L'examen des fosses lombaires, donc à la recherche d'une hydronéphrose, d'un gland noir, examen de l'hypogastre à la recherche d'un gland vésical,
et surtout le ganglion de Tourvoisier, parce qu'il y a des métastases ganglionnaires. Recherche d'hépatomégalie, ça vient après, c'est dans la forme avancée, où il y a des métastases hépatiques, pulmonaires, on a vu même des métastases cérébrales et orbitales. En outre, l'examen clinique doit comprendre l'état général et l'état associé, on l'a dit, pour le choix du traitement. Parce qu'on n'est pas en droit d'opérer un patient qui a une durée de survie de moins de 10 ans. L'état sexuel du patient et l'examen des organes génitaux externes est systématique. Le bilan d'expansion. Pourquoi on fait un bilan d'expansion? Pourquoi dans votre vie médicale, tout au long de votre carrière, vous allez entendre parler de cancer? Dans n'importe quel cancer, on doit faire un bilan d'expansion. On diagnostique le cancer, on fait un bilan d'expansion. Pourquoi on fait ce bilan d'expansion? Pour stadifier le cancer. Quand on stadifie le cancer, ça va conditionner le traitement, la prise en charge thérapeutique, et ça va conditionner le pronostic. Donc, on le fera pour pouvoir classer le cancer selon la classification TNM. T, tumeur, un nodule et un métastasis. Donc, la tumeur, est-ce qu'elle est confinée à la prostate? Est-ce qu'elle est sortie de la prostate? Est-ce qu'elle est arrivée aux autres organes? Ce qu'on appelle localisé, localement avancé ou métastatique. C'est les trois stades. Il comprendra, on l'a dit, le taux de PSA. Il va conditionner la prise en charge thérapeutique. Le score de glisande à la biopsie. Une IRM pelvienne qui va nous faire voir est-ce que ce cancer est resté à l'intérieur de la prostate ou il est sorti. S'il est sorti, qu'est-ce qu'il a touché? Est-ce qu'il a touché les vésicules séminales ou il a dépassé les vésicules séminales? Il a touché les organes de voisinage. Elle va également nous faire voir est-ce qu'il y a des adénopathies locorégionales, des chaînes iliaques. Une scintigraphie osseuse, on l'a dit, à la recherche de métastases osseuses, parce que c'est le deuxième cycle de métastases à appeler les adénopathies. Une radiographie du thorax, pour voir les poumons, et si nécessaire, s'il y a des symptômes suspects, on fait une TDM, un scanner thoracique. Une échographie abdominale dans un cadre général. Mais le bilan d'expansion, c'est ce qui est standard, minimum. Il faut faire ça. Si on a d'autres symptômes, on peut demander TDM cérébral, TDM rachidien, n'importe quoi, selon le signe d'appel. Mais ce qui est standard, c'est ça. De cette classification dépendra notre attitude thérapeutique et dépendra également le pronostic de notre patient. La classification TNM. Donc T, comme on l'a dit, tumeur. Il y a 4 stades, T1, T2, T3 et T4. Dans T1 et T2, il y a deux sous-groupes. Donc, T1, c'est une tumeur qui n'est pas palpable, non palpable. T1A, donc, c'est une tumeur qui est découverte anatomopathologiquement, en général. Donc, inférieur à 5% des copeaux de résection transurétrale de la prostate, donc c'est un patient qui a été réséqué pour hypertrophie d'albuminie, ça nous revient cancer. Moins de 5% des copeaux sont atteints, avec un score de glisson inférieur à 7. C'est TA. TAB, plus de 5% des copeaux de résection, avec score de glisson supérieur à 7. TAC, une tumeur découverte à la biopsie. Donc, si l'entomopathologiste nous répond qu'il s'agit d'un cancer de la prostate ou de la biopsie, c'est au minimum T1, c'est minimum. Et quand on fait l'IRM, elle peut faire avancer encore le stade. T2, une tumeur palpable limitée à la prostate. Donc, on voit ici T1 et T2, c'est le stade localisé. T1 et T2, c'est le stade localisé. Donc, T2, tumeur palpable limitée à la prostate. T2A, atteinte de la moitié d'un lobe, moins de la moitié d'un lobe. T2B, atteinte de plus de la moitié d'un lobe. T2C, atteinte des deux lobes. Mais la tumeur, elle est dans la prostate. N'a pas dépassé la capsule. T3, extension extracapsulaire. La tumeur commence à sortir de la prostate. T3A, franchissement de la capsule d'un côté.
T2, T3B, envahissement d'une ou des deux vésicules séminales. Ici, ça se discute. T3A, maintenant, les recommandations sont avec la chirurgie. On tente un traitement chirurgical qui peut être carcinologique, si notre chirurgie est bien faite. C'est un stade qui est également récupérable. T4, extension aux organes de voisinage autres que les vésicules séminales. Ulter, nectron, col vésical, sphincter externe, etc. Donc la tumeur, elle a dépassé toutes les limites et elle commence à envahir les organes de voisinage. N, les ganglions ou les adénopathies. NX, atteinte ganglionnaire non déterminée. N0, pas d'atteinte ganglionnaire. N1, atteinte ganglionnaire régionale. C'est les chaînes ilio-obturatrices. M, c'est métastase. M0, absence de métastase. MX, non évaluable. M1, métastase à distance. Il y a trois sous-groupes. A, B et C. M1A, atteinte de ganglions non régionaux. MMB, métastase osseuse. M1C, autre site de métastase. Le traitement. Le but du traitement. Au stade localisé, le traitement est curatif. C'est la guérison. L'objectif est de guérir le malade. Le stade localement avancé est métastatique. Le traitement est palliatif. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie. C'est la devise de tout médecin. Guérir, c'est possible, et soulager toujours. Donc si on peut guérir, c'est l'idéal. Si on ne peut pas, à la rigueur, on soulage le patient. Oui. Pour le stade localisé, on l'a dit, le meilleur traitement, c'est la prostatectomie radicale. Ou il y a également la radiothérapie conformationnelle. Mais le grand standard, le meilleur traitement, c'est la chirurgie. C'est la prostatectomie radicale. Ou prostatectomie totale ou vésiculo-prostatectomie. Chaque promo, je le dis ça, et on m'écrit, fait adénoprostate prostatectomie. Dans l'adéno, c'est l'adénomectomie ou la résection endoscopique. Donc le cancer de la prostate, c'est la prostatectomie. Le stade localement avancé, c'est l'hormonothérapie et la radiothérapie. Localement avancé, donc soit c'est l'hormonothérapie seule, soit c'est la radio-hormone, ce qu'on appelle la radiothérapie plus hormonothérapie. C'est quoi cette hormonothérapie? Donc la prostate est sous dépendance hormonale. Comment on a découvert ça? On a commencé à découvrir ça chez les eunuques. Les eunuques, c'est des hommes castrés. Dans l'Empire ottoman, les hommes qui travaillaient dans les châteaux, donc on les castrait. Ce qu'on appelait les eunuques. Quand vous vous en Turquie, vous voyez qu'ils font apparaître les hommes qui travaillaient dans les châteaux comme des femmes. C'est des patients, c'est des hommes qui sont castrés à un bas âge. Qu'est-ce qu'ils ont découvert chez ces hommes-là? Qu'ils ne développaient pas ni d'adénome de la prostate, ni de cancer de la prostate. Donc il y a un lien entre les testicules et la prostate. Entre la sécrétion d'androgène et la prostate. Il y a ce lien. Donc la prostate, elle est sous dépendance hormonale. Donc si on coupe, donc si on bloque cette sécrétion d'androgène, donc on va bloquer l'évolution du cancer. On ne va pas arrêter. On va juste la bloquer temporairement. Donc l'hormonothérapie, elle est subdivisée en deux parties. Pourquoi subdivisée en deux parties? Parce que la sécrétion d'androgène, qui est la testostérone, l'androgène masculin, c'est la testostérone, elle est dépendante de deux organes. Le testicule, il sécrète 95% de la testostérone. 5% est sécrété par la surrénale. Donc, auparavant, pour traiter le cancer de la prostate, il castrait les patients. C'était barbare. Il faisait ce qu'on appelle une castration chirurgicale. Il enlevait les deux testicules. Puis, il n'enlevait que le parenchyme testiculaire, ce qu'on appelle une pulpectomie. On n'enlève que la pulpe testiculaire. Puis, avec l'évolution des molécules, on a découvert des molécules qui font la même chose que la castration chirurgicale, ce qu'on appelle une castration médicale. Au lieu d'aller enlever les testicules, on bloque l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique testiculaire.
par ce qu'on appelle les analogues de la LHRH. Ces analogues vont bloquer l'axe. Donc en bloquant l'axe, il n'y a plus de suppression de testostérone par les testicules. Mais il y a la testostérone sécrétée par la corticostérone. Qu'est-ce qu'on lui fait ça? On ne peut pas bloquer. Parce que là, c'est une glande vitale. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque les récepteurs. Donc, on met des molécules qui bloquent les récepteurs, ce qu'on appelle les anti-androgènes. Donc, on fait l'association anti-androgène avec analogue de la LHRH. Donc, au début, on fait un blocage androgénique complet. On fait ça. Après un certain temps, en général, après un mois à trois mois, on arrête l'anti-androgène et on laisse que l'analogue. C'est ça le traitement hormonal du cancer de la prostate, ça donne d'excellents résultats. Pour le stade de métastase, c'est l'hormonothérapie plus la chimiothérapie. On a dit qu'on a jusqu'à maintenant aucune thérapie, aucune chimiothérapie n'a prouvé son efficacité. En conclusion, une bonne indication égale un confort du malade et soulagement du médecin. Le cancer de la prostate est le plus fréquent, le cancer de l'œuf âgé. Le diagnostic devenu possible à un stade localisé depuis l'utilisation courante du dosage du PSA et du toucher rectal, permettant ainsi un traitement curatif seul garant d'un bon pronostic, d'où l'intérêt du dépistage. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?